Alors, il n'y a pas de Ferroni? Monsieur Henri Mercier, s'il vous plaît. Henri, c'est François. Écoute, je te rappelle au sujet de notre scénario. Il faut accepter la proposition de Morlock. Votre histoire est une très belle histoire. Et je te le répète pour la dernière fois, je ne l'ai pas écrite pour qu'elle soit récupérée par un marchand de cul. Bon, voilà. Je suis désolé. Il y en a 50 comme vous qui attendent à la porte. Je sais. Et votre histoire est peut-être une belle histoire, mais elle a été refusée par tous les producteurs de Paris. Et dites aussi à votre copain là qu'aujourd'hui, pour arracher les gens à leur télé, ça suffit plus, les belles histoires. Et je peux vous dire une bonne chose, ça m'étonnerait qu'avec vos scrupules, vous fassiez jamais un premier film. Faites entrer Ploumenec. Oui, monsieur. Mais c'est le garçon qui devait retoucher votre scénario. Bah, c'est un des auteurs les plus doués de Paris. Il vous aura arrangé votre truc, là, quelque chose d'épatant. Enfin, tant pis. Hein. Ah ben, vous allez continuer à faire de la pub. Bah, quoi? C'est marrant, la pub. Bon, puisqu'on est d'accord sur le scénario, au travail, mes enfants. Une de mes toutes premières productions. Bah, le film est pas très bon, mais la fille est intéressante. Et en plus, elle est libre en ce moment. Bien, regardez. Qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi elle est si loin? Ah, ça, c'est une petite astuce de production. Vous foutez une fille à poil sur une plage le plus loin possible et vous la faites venir vers la caméra. Alors, tant qu'elle vienne... Il nous reste un bon bout de chemin à faire, hein. Elle sera là dans combien de temps environ? Non, vous avez raison, on va l'accélérer un peu. Tu me l'accélères un peu, Coco, s'il te plaît. Non, mais... Je pars, en plus. Hop, elle est passée. Stop! Mais où elle est? Mais non, mais il l'a laissé passer, cet abruti. Moins vite, merde, c'est pas les 24 heures du Mans. Reviens en arrière. Stop! Alors? C'est un peu flou, non? Comment ça, c'est flou? Mais c'est pas flou du tout. Vous trouvez ça flou, vous? Pas du tout. Alors? Non, mais c'est vous qui voyez mal, mon petit vieux. Ben, vous pouvez juger, tout de même. Ah ben, excusez-moi. Quoi? Vous allez croire que je le fais exprès, mais j'y vois pas grand-chose à nouveau. C'est mal éclairé, non? Ah, écoutez, mon petit vieux, au train où ça se tourne, ces trucs-là, les éclairages, on s'en fout. Hein? Stop! 3 semaines de tournage maximum, hein, pour nous. Sinon, c'est pas rentable. Alors, si certaines séquences sont un peu sombres, on n'en fait pas une maladie. Vu? Voilà. C'est la petite brune, là-bas. Où ça? Eh ben, sous le gros type chauve, à droite de l'écran. Vous voyez un type chauve, vous? Mais... Ah non, pardon, c'est un lampadaire, autant pour moi. Bon. Partez du pied là-bas à l'extrême droite. Le pied, oui. Voilà, oui. Suivez la jambe. Mmh. Voilà. Là, vous la suivez? Mmh, oui, oui. Bon. Voilà. Vous arrivez sur une fesse. Oh. Ah oui. Là, vous y êtes? Non. Bon. Allez, ça va comme ça, rallume. Vous allez lui donner un coup de Ploumenec. Ploumenec va vous servir d'assistant. Il a démarré dans le métier comme ça.